C'est une question qui me semble un petit peu difficile avec le contexte qu'a YouTube aujourd'hui parce que j'ai l'impression que pour la plupart des créateurs, en tout cas dans ma branche, c'est pas forcément quelque chose de logique de changer sa forme en fonction de son format ou en tout cas de proposer quelque chose qui nous fasse un petit peu sortir d'un décor habituel. Du cadre de la chronique quotidienne, on va dire, la mise en scène se doit de suivre, de donner lieu à quelque chose de différent, que ce soit par le biais du montage, par le biais simplement d'un cadrage, d'une manière de rythmer toute ma vidéo, bref, pour moi c'est évident que la forme doit changer en fonction du format. Mais pour beaucoup de créateurs, cela semble être plus simple de garder la même forme, de ne pas trop changer, de ne pas trop se casser la tête à proposer quelque chose de différent, alors que l'on pourrait simplement faire la même chose et se contenter du minimum syndical. Franchement, dans ce genre-là, j'en ai juste marre de me casser la tête. Surtout quand je vois des mecs dire qu'ils viennent de créer un nouveau format, mais garder exactement la même forme que sur une critique classique. Bon, cela est clairement un autre débat. L'idée est simplement que ici, il faut savoir te poser la question de la mise en scène et de son importance par rapport au format. Parce que différents styles de mise en scène vont avec différents styles de format. Et se complètent presque en un sens. Et si on y réfléchit bien, ce n'est vraiment pas compliqué. Cela demande finalement peu de travail, mais surtout cela demande presque uniquement d'être un tant soit peu investi par ce que l'on a envie d'offrir aujourd'hui aux spectateurs. Car sinon, on peut simplement faire encore et toujours la même chose et juste changer la miniature et dire qu'il s'agit d'un nouveau format. Mais bon, ce serait se voiler la face. Cela ne paye rien pour toi, en tant que créateur et concepteur vidéaste, de mettre en scène différemment un contenu, de proposer aux spectateurs simplement de changer de décor, de changer d'air, de sortir dehors, ou simplement de mettre un cadrage qui cherche à rappeler que l'on n'est pas dans le même cadre que d'habitude. Ce qui tombe sous le sens, lorsque l'on dit ainsi cette phrase finalement. Je sais bien qu'en disant cela, je vais te faire un petit peu peur, et peut-être que certains vont le prendre comme une dissuasion de se lancer sur YouTube. C'est pas du tout le cas. Si tu as un format, fais-le bien. Mais si tu changes de format, change ta mise en scène. Sois un peu fier de ce que tu fais tout simplement. N'aie pas peur de te dépasser un peu, cherche à en faire un peu plus. Comme un bon blockbuster, sois partant pour un peu de frisson, un peu de peur en sortant de ta vidéo, ne sachant pas vraiment ce que le public pourra en penser, mais cherchant surtout à faire quelque chose de différent et de frais. Et c'est au fond cela qui est le plus important en un sens. Bon, au fond ce que je cherche simplement à te dire, c'est que varier la forme en fonction du fond est simplement le meilleur moyen de donner lieu à un format attrayant pour le spectateur. Et c'est cela qui prendra ce spectateur au trip et qui donnera lieu à quelque chose de vraiment bon, certainement, mais surtout de vraiment intéressant sur le long terme, car tu pourras créer ce qui est la chose la plus importante finalement dans une mise en scène. Vu que nous avons enfin fini ce gros segment sur la mise en scène, le mois prochain on va s'attarder sur quelque chose de beaucoup plus technique mais de tout aussi important dans la création sur YouTube. Comment bien choisir son matériel ?